Eh bien bonjour tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le potager. Et aujourd'hui, nous sommes le 3 mars 2016, et oui déjà. Et aujourd'hui on va bouturer des cassis et des groseilliers. Donc j'ai prélevé quelques rameaux. Donc ça c'est des cassis, cassissiers. Voilà, j'en ai prélevé plein. Donc ça c'est des groseilliers, rameaux groseilliers. Ça pareil, et tout ça c'est des cassis. Donc voilà, donc vous aurez besoin de pots. De pots, voilà, terre cuite ou tout simplement. Du terreau, évidemment, d'un sécateur et puis bien sûr des rameaux. On va commencer par couper les rameaux. Donc, voilà. Donc là on va déjà couper droit net, voilà. Et ici on va couper en billets. Et puis on va garder 7 yeux. Allez, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on va couper la nette. Voilà. Donc pareil pour celui-ci. Donc celui-ci je pourrais faire 2 rameaux. Net et on coupe en biseau ou en billet, c'est pareil. Voilà. Donc bien sûr faut avoir un sécateur qui coupe net. Là voilà. Je vous reprends, je vais mettre en pause la vidéo. A tout de suite. Donc voilà. Donc j'ai tout bien coupé. Maintenant, on va passer à l'étape. On va les enterrer. Quatre rameaux de cassis. Non, de groseillers, pardon. Allez, go. Donc, hop, on prend les rameaux. Vous prenez votre rameau, puis vous les enterrez 2 yeux en dessous de la terre. Comme ceci. Donc là, il y a déjà le premier. Et le deuxième, comme ça. Voilà. Donc ça fait déjà. Ensuite, vous faites pareil pour le deuxième. Donc c'est 2 yeux. En dessous de la terre. Donc comme ça, vous faites pareil pour les autres. Donc voilà, c'était aussi simple que ça. Donc voilà, j'ai tout bien mis en place. Et j'ai oublié de préciser aussi qu'il fallait bien tasser pour que le substrat soit bien adhéré au terreau pour qu'ils puissent prendre racine. Donc là c'est les groseilliers et puis les 3 pots c'est les cassis. Voilà. Et surtout on n'oublie pas c'est d'arroser abondamment. Et voilà.
une fois que tout est mis en place et tout qu'on a bien arrosé, on les mettra dans un petit endroit abrité du vent. Donc moi perso je vais les mettre là, comme ça ils seront bien à l'abri et à la, surtout à l'abri du gel. Donc voilà, donc j'attends qu'il s'égoutte un petit peu. Donc maintenant on va les placer. Oups. Et voilà, donc je les ai bien placés, voilà, à l'abri du vent, du froid, de la gelée et tout. Donc voilà, une bonne chose de faite. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!